Ah, alors qu'est-ce qu'ils m'ont fait les salauds? Je pensais que c'était qu'un mauvais rêve, mais en fait non, je suis vraiment enfermé dans un EHPAD. Mais il va voir de quel bois je me chauffe, moi. Bonjour, c'est l'agence immobilière. C'est quoi? C'est celui dans ma sauge automatique. Je suis enfermé dans un EHPAD. Ton loyer, je paierai le. Avant d'aller à l'hôpital, je passe vite au garage. Je le paierai. Point. Voilà. Attends, mais ils sont en train de parler. Mais ils vont voir. Ils vont voir ces connards. Ils vont voir. Oh là 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 là. Alors. Ah non, par contre, arrêtez de faire ça. Pas moi. Quoi faire ça? T'entends pas ta radio, ça fait des, il y a quelqu'un qui spamme le bouton, c'est chiant. T'entends pas? La chance. T'entends? T'entends, si c'est toi, tu restes à l'EHPAD une soirée de plus. Ok, tu restes à l'EHPAD. Et ça puis dit bonsoir. Bonsoir, j'ai pris pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Bah ça va et vous? Moyen, mais bon. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On m'a enfermé dans un EHPAD de force. Qui ça? Pas mon neveu. Ah bon? Vous Oui, gagnez trop oui. d'argent? Et Il a voulu tout Charles, c'est récupérer? pas mes radios, du coup? Je Il m'a fait signer. sais Il m'a fait pas. signer des décharges. Et il m'a fait croire que c'était des frais, que c'était une assurance. Et en fait, c'était les papiers du EHPAD. Ah bon? Vous voulez Oui. porter plainte? Oh non non non. Enfin, peut-être, mais je ne sais pas encore. Mais Bah, bon. je sais pas, vous nous appelez. Non Je non, sais mais moi pas. Ciao, Charlie. j'appelais juste pour prendre des nouvelles, comment ça allait au travail, les amis, la famille. Bah, écoutez, ça va très bien. Si vous voulez prendre plus de nouvelles, on va actuellement aux Bahamas, vu qu'il va ouvrir. Ça, vous pouvez venir parler avec nous. Ah ben d'accord. Mais disons que je peux pas trop sortir de ma chambre tant que j'ai pas l'autorisation, mais bon. Bah, si vous êtes enfermé de force, vous pouvez trouver un moyen pour sortir, non? J'y penserai. Allez, je vous dérange pas plus longtemps, une belle soirée à vous. À vous aussi, ciao ciao! Ciao. Alors. Maître Takeda, bonsoir. Bonsoir, je vous appelais pour prendre des nouvelles. Comment ça va en ce moment dans la vie, les amis, la famille? Mais écoutez, ça va plutôt bien et vous, monsieur? Oh, ça va moyen, mais bon, c'est pas Qu'est-ce qui grave. vous arrive? Mon neveu m'a enfermé de force dans un EHPAD. Oh! Oui. Écoutez, c'est Il m'a bien fait méchant de signer sa des part, papiers ça. en pensant que c'était une assurance. Donc moi j'ai signé. En fait, c'était les papiers d'un EHPAD. C'est pas très très gentil de la part de votre neveu, ça. Ben non, 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 ben oui, bien évidemment que c'est pas gentil. Vous pouvez pas faire contester la signature des papiers, monsieur? Ben, Au je sais pire. pas si. Je sais pas si je peux faire ça, moi. J'y connais pas Ah trop en droit. bah, écoutez, vous pouvez vous faire déclarer sain d'esprit et demander simplement sortir de l'EHPAD, monsieur.
Vous êtes deux, moi je suis à l'hôpital déjà. Je pense qu'il faut aussi des techniques à la con pour pas me, pour me laisser enfermer. Ils m'ont dit qu'ils venaient venir me chercher et qu'ils feront des sorties et après ils me ramèneraient, mais bon. Okay. Après, je sais pas exactement le papier que vous avez signé, monsieur, mais vous avez encore le droit de refuser d'y aller. Je verrai ce que je peux faire de mon côté. Mais merci pour les conseils. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous faites un travail admirable. Je vous applaudis tous les soirs à 20h. Une bonne soirée à vous, monsieur. Faites bonne attention. Bonne soirée. À vous. Au revoir. Enfin. T'es sérieuse? Ah. Bobby UMS, bonsoir. Bobby, tu vas tout de suite me faire sortir de cette chambre à la con. Oh bah, c'est Papy. Oui. Salut Papy. J'arrive. Attends, je te ramène quelqu'un que tu connais. Ouais, ouais, bah ramène-moi tout de suite quelqu'un. Ah, ça arrive. Ah bah, vas-y. Pas de soucis, Papy. Mais putain, quel cadeau. Pas les mettre enceinte, il tira blanc. Ah ouais, bah en même temps ça fait longtemps hein. Bah oui c'est vrai. Bah bien sûr, il en a un midi, matin, soir, bien évidemment. C'est ici. Ouais mais ça m'a offert hein, les la porte, je vous laisse y aller. Tonto. Attends, attends. Oh, tonto. On est d'accord, ça pue le sexe. Ah, je suis d'accord. Enfin, on est d'accord, ça pue le sexe. Ah oui, bah oui. Bonsoir, tonton, à papy. Tonton. Mais tonton, papy. Papy, ça sent le sexe dans ta chambre, qu'est-ce que t'as fait? Tonton, fais-moi un câlin, tonton. Non. Mais allez. Non. Mais j'ai papy. Rien à voir avec tout ça, moi. Ouais, oui, bah t'es complice. Bah non, moi j'étais même pas au courant. J'étais pas au courant. Ouais, ouais, ils disent tout ça. Collabo. Bon, on va te tondre. On va te. Non, pardon, désolé. Est-ce que t'as fait des belles rencontres? Je n'ai pas fait de rencontres. Arrête, arrête. Le médecin nous a dit que c'était un déménagement ici dans la chambre. Ça sent le sexe, papy. Qu'est-ce que t'as fait? Le médecin, il raconte des conneries. Qu'est-ce que t'as fait à Marguerite 68 ans que je t'ai mis hier soir dans ta chambre? J'ai rien mis à Marguerite 48 ans. 68 ans. 68 ans. Tu as rien mis. Parce que si, c'est pas. Arrêtez de me donner des. Je suis pas un pervers. Comment ça se fait que vous avez pris le pied de la biche là? T'as le pied de la biche. Il a pris son pied tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ça c'est encore le pied de. Putain, il a décrossé la hanse de Marguerite. Donc maintenant, papy, on peut dire qu'il a les boules vides. Ah bah là, pour le coup, hein. Eh, papy, tu te fais pas la mal, hein. Tu renverses ça. Papy. Putain. Par où, en plus, là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Ah là, si, il va sur le poil. Ah là, c'est le troisième. Mais non, faut pas qu'il aille sur le toit. Non, fallait pas lui dire. Papy, arrête tes bêtises. Non, et on court pas dans un hôpital. Là, y'a rien. Papy. C'est rien, papy. Tu verras, ce soir, ça sera encore mieux. Non. Je veux pas. Je veux pas. Tu reviendras ce soir, papy. Non. Mais si, tu reviendras ce soir. Adieu. Ah. Parce qu'en fait, c'est suicidaire.
Bah, je vais pas me suicider, mais ce que vous faites, c'est vraiment monstrueux. Oh putain, papy, sur le toit. On a juste appelé pour demander si on faisait des pâtes. Bah oui. Moi, c'est rien, moi, c'est juste... Papy, saute pas, s'il te plaît. T'as pas de charapute. Mais, arrête de faire la gueule, papy. Je fais la gueule si je veux. Mais pourquoi... Il m'a dit de l'agneau, si tu veux, pour toi. Je m'en branle. T'es parti où? Nulle part. T'es où? Je te conchis. Quoi? Faire. Tu veux circoncire? Retourne plus là-bas. Plus jamais. Je retourne plus dans cet endroit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Papy, si tu nous entends, on est venu pour te sortir. Bah, je vous attends dehors. C'est bon, je vous attends dehors. T'as pas entendu, mais il est déjà sorti en fait. Traître. Je suis pas prêtre. Quoi? On vient pour te sortir. Tu te souviens de Charlie? De Dallas, Charlie, ou pas? Charlie de Dallas. Ma copine. Non, la meilleure amie de Maddy. Ça te dirait. Ben non, je connaissais même pas Maddy avant de venir ici, moi. Ah, ben oui. Ah, ben du coup, voilà. Elle est arrivée de Dallas hier. Là, elle est partie mâcher, après elle revient. D'accord. Voilà, faudra qu'on te présente. Oui, oui. T'as bien t'entendre avec. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, papy, honnêtement, ce petit séjour, ça t'a fait du bien? Non! Pourquoi non? Et parce que je voulais pas être là, moi! Vous m'enfermez dans un EHPAD à la con! Mais t'as rencontré des demoiselles de ton âge? Ouais, c'est ce que vous pensez. Dévider les couilles, papy, on le sait. Ouais, c'est ça. Vous croyez. Vous faites des images, vous faites des rêves. Vous pensez tout savoir. Comme l'État, mais vous savez rien. Ah oui, on croyait. Il y avait une caméra dans ta chambre, on a tout vu. Mais j'ai... Oh, petit Dieu. C'est pas vrai, il n'y avait pas la caméra. Toto. Allez, vieux, là. Arrête de faire la gueule, putain. Je fais les têtes. Fais la gueule, tu rentres à pied. C'est bon. Moi, je viens le chercher, tout bien, tout honneur, comme ça, tranquillement, et voilà, fais la gueule.
Parce que je devrais, être reconnaissant que tu m'enfermes dans un EHPAD. Je voulais que tu te fasses des amis. Mais j'ai pas besoin de me faire des amis. Je voulais que tu te fasses des copines de ton âge. Mais les copines de mon âge, mais j'en ai pas besoin. Mais si t'étais seul, il fallait que t'aies de la compagnie. Je suis pas seul, j'ai de la compagnie. Oui, les messieurs dans ta tête, ça compte pas. Les services publics non plus. Voilà. Ce sont mes amis. Non, ça compte pas, papy. Mais j'ai pas besoin d'avoir d'amis, moi. Mais si t'en as besoin. Non. Regarde, tu fais de la peine à Maddy. Mais Maddy, elle est à fleur de peau tout le temps. Non, en plus, Maddy, t'es même pas con. Ah, mais ça va, Maddy, c'est bon. Non. Ah, mais. Ouais. Tu vas pas t'inquiéter pour un vieux croton comme moi, quand même. Bon, eux, ils en ont rien à foutre de me mettre dans un EHPAD, quand même, hein. Oui, hey, oui. Tu vas te calmer ou t'y retournes ce soir? Moi, je m'inquiète pour toi, Toto. Oui, oui. Donc, quand ils m'ont mis dans un EHPAD, je t'ai bien vu, hein. En tout cas, j'ai bien vu ton absence. Oui, j'étais pas là. Ouais, non, mais c'est bon, ça, je sais que c'est pas grave. On a tous eu de vie, mais bon. Eux, ils m'ont mis dans un EHPAD. Eux, ils m'ont mis dans un EHPAD, ils m'ont coursé, ils m'ont porté de force, ils m'ont fait signer des papiers à la con, et moi, je suis obligé. T'aurais sorti de là, tonton, moi. Ouais. Mais on est venu te sortir aujourd'hui. On t'avait dit 2-3 jours, histoire que tu te sentes moins seul. Ouais, ouais. Mais j'ai pas jamais content, de toute façon. Mais vous m'avez enfermé dans un EHPAD, vous pensez vraiment que je vais être content, moi? Mais tu devrais être reconnaissant. Non! Ah non, vraiment pas. Si, parce que non, regarde, t'as rencontré des demoiselles comme il y a là-bas sur l'affiche. Mais moi, j'ai pas besoin de vos reconnaissances, c'est bon? Je suis sûr qu'il l'a rencontré. Mais pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? Les papis? Oh, madame. Madame, ça va? Madame? Madame? Tonton? Tu vois, regarde, Tonton, il se dirige où? Vers la cougar. Tonton, t'as un chewing-gum, saute. Faut pas écouter ce qu'ils disent, est-ce que des conneries? Ouais. Moi je te proteste, tonton. Oui, oui, oui. J'ai vu à quoi sert votre protection, hein. Mais je pouvais pas t'aider, donc t'es pas là, bordel, là. Bah tu sais ouais. Quoi? Va te faire foutre, voilà. Voilà. T'as qu'à voler une voiture, papy. Nous, on vient te chercher bien gentiment et tu nous envoies chier. Va te faire foutre, vieux crouton. C'est le vieux crouton. Ouais. Voilà. Il cherche dans ta mémoire après tes mots et après tu viendras parler. C'est facile de venir après m'avoir fait enfermer dans un EHPAD en prétextant que vous venez me chercher. Tonton. On a dit qu'on viendrait te chercher, c'est ce qu'on a fait. Vous êtes pas les seuls à me dire. Un de plus, un de moins qui me déteste, c'est bon. Nous on a fait ça pour ton bien, on a même pas un petit peu de reconnaissance. Et là vous faites du gaslighting. Vous êtes en train de me faire croire que c'est moi la victime, c'est moi le coupable. On n'a pas dit parce ça. Que là c'est toi, t'as dit c'était moi comme la coupable. Oui, oui, ben c'est bon, j'ai bien compris. Oui, oui, ben c'est bon, allez. Bon, si jamais t'as besoin, tu me signes. Oui, oui. On est au Bénise. Oui, oui.
Papy, est-ce que tu veux participer à une course de moto demain? Ou au moins la commenter. Je vais venir la commenter. Eh ben voilà. T'arrêtes de faire la gueule et on va te chercher. T'arrêtes de faire la gueule quand je veux. T'es-tu comme une vieille pourrie, bien sûr. Vie de merde. Ouais. Une belle vie de merde. Je vais vous... m'en occuper, moi, de ces galères. Moi, j'avais confiance en eux. Et il me fait un couteau dans le dos, il m'enferme dans un EHPAD. Retentez-vous qu'on vient de chercher. I got some great projects that need outsourcing.
faut pas rentrer à pied quand même. Je vais au parking. Allez, bouge pas, j'arrive te chercher. Quel parking? Allez, t'as quel parking? Tonton, viens, on va faire un cambriolage de maison. Ou récolter les impôts, comme tu veux. Comme tu veux, toi. J'sais pas, comme toi, t'as envie de quoi, là? J'ai envie de faire. Ok, d'accord. Ok. Bon, vas-y, t'as quel parking, là? Je dois te trouver. Ça y est, il va me rendre fou. Moi, je t'ai trouvé. Oui, oui. Peut-être que t'es allé travailler un petit peu et que t'as mis ta tenue de tatoueur. À ce côté, mais bon. Ah ben, tu veux, je te dépose, y'a pas de problème. Da. Mais bon, fais ce que t'as envie de faire. Je sais pas, je me suis dit que... cambriolage, tout ça faisait longtemps. Bah, vas-y, comme tu le sens. Mais faudrait Dieu qui s'y mène. Tonton ! Quoi ? Faut préparer la manifestation. La manifestation ? Ouais. Et pourquoi ? Parce que le Daily Globe va se mettre en grève parce qu'ils ont pas eu 2 semaines de prime. Alors ? Bah oui. Ouais. Bah c'est... Je l'ai vu qu'une seule fois le patron et puis après... Eh bah oui, bah on va faire ça. On va faire quoi, j'ai pas écouté. Manifestation. On va pas aller faire un déménagement, on va aller provoquer une manifestation. Quand, maintenant? Ouais, tout de suite. Ah, ok. T'es chaud toi? Moi? Non, pas toi. Tonton. Ah, ok. Oui, bah tonton, oui, et puis toi qui va en faire. Bon, le truc, c'est qu'il nous faut du monde. Voilà, c'est bon. Hein. Il nous faut du monde. On va appeler du monde. Vas-y, on parle. Tant que t'appelles, moi, je vais remonter au camp. Parce qu'il faut que je me vide les poches. Pfff. Quitte. Ouais. Bah non, c'est sur moi, Sophie. Alors. Si je peux appeler. Bon ben j'arrive du coup. Bah déjà tu peux appeler ton médecin. Oui. Moi je vais appeler Mina. Ton médecin Bobby. Eh ben oui, préviens Mina, Mina prévient tout le monde. Aussi. Tu files un petit... Bon ben j'arrive, hein, je vais au camp déposer mon calibre. Allô. Allô, Mina, j'ai besoin de toi. Putain, qu'est-ce qui va encore m'arriver comme connerie? Oh non, c'est pas des conneries, j'ai juste besoin que tu ramènes beaucoup de monde. Tu veux que je ramène beaucoup de monde où? Attends, je vois avec le Daily Globe. On ramène du monde où? On prépare une manifestation. Pas de la mocu, c'est trop petit. Je pense qu'on peut... On peut essayer de se rejoindre à un endroit stratégique. On se rejoint... Alors, attends, je regarde... Gouvernement! Oh putain! Ouais, mais faut qu'ils nous entendent quand même! Attends, je vais essayer de faire le tour des entreprises au pire. Mais au fait, pourquoi on doit se rejoindre au gouvernement? Parce que le Daily Globe, c'est la merde pour eux!
Ils se font pas respecter. Ils travaillent comme un acharné. Il a deux semaines de primes qui sont pas passées. Mais il a appelé, il a contacté l'avocat ou pas? Non mais bon, faut quand même qu'on fasse entendre nos voix. On a tous des soucis dans cette ville. Donc c'est bon. Moi j'ai un souci, quand je vais me faire kidnapper, j'ai une carte de fidélité. Eh ben voilà. On a tous des revendications. Appelle qui tu veux, on se retrouve au gouvernement. J'appelle tout le monde. Tout ce que j'ai. Ok, pas de soucis. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Vous appelez tous les contacts que vous avez, on va au gouvernement. Tous devant le gouvernement. J'appelle les autres. Le Coy, bonsoir. Bonsoir, je suis désolé de vous déranger, j'ai besoin de votre aide. Oui, dites-moi tout. C'est pas l'entreprise que j'appelle, c'est les humains qui sont derrière. D'accord. Le Daily Globe se fait arnaquer. Le petit journaliste. À quelle heure, oui. Le Daily Globe, là? Le petit journaliste, là, il est en train de se faire douiller. Ça fait deux semaines qu'il n'a pas de prime et il travaille comme un acharné. On va faire entendre nos voix. On a tous des revendications, alors on va les faire entendre. Oui, je suis au courant. Il vient de passer au restaurant pour commander. Donc on se retrouve tous au gouvernement vers 21h30 et on fait entendre nos voix, d'accord? Viens voir avec lui. Je vais voir si je suis disponible, oui. Allez, pas de soucis. Je suis en train de dire 21h30. Mon ami, on va faire entendre nos voix pour toi. 21h30 au gouvernement. Mais t'es au courant que le gouvernement, il n'y a rien à voir avec le délit? Mais on s'en fout, faut faire entendre nos voix. Bah si t'as envie de te faire entendre la voix, c'est plus au délit qu'il faut faire la manif. Vu que c'est à lui d'être concerné. Bon bah je rappelle le délit, je rappelle le Coy alors. Je rappelle Mina. Attends, mais je vais faire un tweet. Putain, j'ai tous mes contacts. C'est quoi votre nom, monsieur? Je suis désolé. Zach Larson. Ça sera devant le Daily Globe. Putain, t'es dit à tout le monde devant le Globe. J'ai fait un tweet. Je vais appeler tout le monde. Putain. Non, pas de tweet. Ah, de toute façon, il y aura les cops, c'est pas grave. Oh, bah, de toute façon, ils seront là, donc bon. Bon, bah, faut les appeler alors, faut les prévenir qu'ils viennent manifester avec nous. Le Coy, bonsoir. Oui, désolé de vous rappeler encore une fois, il y a un changement de plan. Ça sera au Daily Globe, du coup. D'accord. Allez, toujours à 21h30. Ouais, toujours à 21h30. Faut faire entendre nos voix pour ce petit Zach, là. Il se fait entuber depuis deux semaines. D'accord, très bien. Et on a tous des revendications, on va faire entendre nos voix. D'accord, très bien. Allez. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Yes, alors je sais pas, j'ai John téléphone en contact dans mon numéro. Ah, Josh, oui. Ouais, du coup, je vous appelais parce que là, il y a notre cher ami Zach, tu vois le journaliste? Ouais.
Ça fait 2 semaines qu'il se fait entuber. Il travaille comme un acharné, il n'a pas de prime. Donc on va faire entendre nos voix. Manifestation. Je t'invite d'accord, à venir. D'accord, pas de soucis. Au Daily Club à 21h30. Appelle tous tes amis, il faut qu'il y ait le plus de monde. D'accord, pas de soucis. Allez, on fait entendre nos voix. Allez, à plus. À tout. À plus. Ok, d'accord, tu lui as bien dit que c'était dans le Daily Globe. Ouais, je lui ai dit, ouais. Ok, d'accord. Vas-y. Alors. À toutes. Bon, il y a un changement de programme, au final, c'est devant le Daily Globe. Hein. Au revoir. Okay. Oui, c'est devant le Daily. Putain, elle colle cette tarte à la con. Bah oui. Pas l'heure, qui c'est que j'ai pas appelé dans mon contact? Duke. Non, mais Duke, il est au courant. Alors, en service, qui est là? Takada! Non, là, j'en suis beau. Mais j'écoute. Bonjour, je vous appelais pour vous prévenir d'un petit truc. À 21h30, on va faire entendre nos voix au Daily Globe. Donc si vous voulez si nous vous voulez... pour les manifestations, vous venez. C'est à quel sujet, du coup, la manifestation? Notre petit Zach, là, le journaliste ultra gentil, il se fait entuber depuis 2 semaines, là. Il a passé prime, et nous, on a tous des problèmes. Donc nous, on va faire entendre nos voix. Ouais, bah, au pire, je vais voir si, avec mes collègues, si on peut passer ou autre. Voilà. Je vous promets rien. Ah, y a pas de soucis, y a pas de soucis. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. De bosser à la demi-heure. Faites appel à tous vos contacts. Appelez tous vos contacts. EMF5. Il est où le fantôme? Il est où? Oh putain. J'en ai plus rien à foutre. On va faire entendre nos voix pour ce jeune. Ouais. D'après ce que j'ai compris, il y avait aussi une. Pour quel jeune? Quel jeune? De quoi vous parlez? Ça fait 2 semaines de Daily Globe, il n'a pas eu pris 2 semaines. D'accord, ok, je vois. De toute façon, on a tous des soucis. Donc les soucis, on va les régler par la violence, avec la violence. J'arrive, j'ai prévu oui, de torcher okay, dans la voiture. C'est pas la meilleure des solutions, mais pourquoi pas. Si, il y a qu'une seule solution face aux gens qui utilisent leur intelligence. Le point. Oh, la torche parfaite. Nickel. On va mettre tout au feu, tout entendre. Attention au feu quand même. Ça brûle, la feu ça brûle. Oui, et l'eau ça mouille. Oh, et ça rouille. Alors attendez, hop, je fais ça, ça et ça, voilà. Par contre, ah putain, dans le bénis, c'est pas ouf. Eh, faudrait éteindre les torches parce que s'il y a de l'huile par terre et tout, le bénis après, bah plus de bénis. T'inquiète. On gère. C'est moi, c'est pas ouf là. On gère la fousette. Prenez vos torches. Il y en a plein là. C'est quoi la torche? Voilà. C'est fire, c'est la fire. Oui. Attends, je fais pire, ça fait. C'est la lune pire. Eh, par contre, Duke, je viens de penser à un truc. Ouais. Tu te rappelles hier la vidéo qu'on a vue sur Twitter là? C'est le mec là qui vole des voitures et qui dit qu'il va les exploser, tout ça sur internet. Ouais. Ah oui, d'accord. On va essayer de le choper, lui, pour savoir à qui il a eu ses lockpicks pour ouvrir les voitures des gens qui volent. Je crois que j'ai lancé un truc qu'il faut voir. Sûr qu'il les a crochetés, elles n'étaient pas restées ouvertes? Non! Non! Peut-être. Aux manifestations! Bon, ah non, pardon, c'est pas ça. On va poser la question, ouais, j'avoue. Écoute, la prochaine fois qu'on va dire presque non, esclavage, hein, c'est presque ça. Hein. Justement, là j'ai pris des lockpicks pour essayer, voir un peu comment ça fait sur une voiture. Ça fait pareil. Ah oui, t'as déjà essayé.
Your call has been forwarded. Oui, j'ai tenté, mais... Bon, c'est-à-dire que j'avais essayé, je sais plus sur la tienne ou sur la manie. C'était juste pour voir, j'avais pas d'intention, d'intention malveillante. On a vraiment besoin de vous, appelez tous vos contacts. Voilà. Et bonsoir, employé. Ah, bonsoir patron. Ça va bien et vous? Salut patron. Regarde ça, comment il fait de la lèche au patron là. Bah, je savais que t'étais en Valaisance, mais non, que t'étais con, je vais de la... Ah, en Valaisance, ah d'accord. Mais le bonsoir. Mais ça va être toi Charlie. Ouais, on est au Bénis, tu veux quand même te chercher. Ok, t'es où? Ok, je t'envoie Maddy. Vas-y, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce sociopathe? Arrête tes conneries, toi, arrête. Maddy, tu peux aller chercher Charlie à l'hôpital? Elle t'attend. Ouais, elle t'attend, elle vient de m'appeler. Servez-vous dans le coffre, dans... Entre la carrosserie, à l'avant du buggy, j'ai mis des torches. Des fire torches. Pour ce soir. On va faire entendre une putain de voix. Il vous faut du voilà. Ouais, tout pareil. J'ai même prévu un mégaphone. Ouais, exactement. Ils vont voir de quel bord se chauffent ces petits salauds. Si vous avez des revendications, c'est le moment, hein. Si vous voulez faire passer un message, allez-y. On le fait pour tout le monde. Oh, on commence. On veut plus de frites à la cantine. Ah non, c'est pas ça. Bah si, tu peux demander. Profitez-en, hein. Ça serait bien, ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. On veut de la bière à la cantine. Ouais, ça c'est bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Payez Zach. We are the Je veux gagner plus d'argent. We are the ones to make a better place for you and together. J'avance. Ouais, tout pareil. What a best of fire. I believe I can. Mais non, mais lui, il est en prison, faut arrêter. C'est des revendications fortes. Mais la première revendication, c'est payer Zach. C'est la plus importante. Parce que le monsieur, il nous fait des super articles et je vais pas payer. Et s'il en reste un peu, on crache pas sur la monnaie. Oui. C'est une honte. J'ai pas tout compris, mais ouais. Grosso modo. Pas content. J'expliquerai à tout le monde sur place, mais grosso modo, notre cher ami Zach se fait exploiter. C'est le journaliste de la ville, je crois même le seul. Et il travaille comme un fou furieux, un acharné, et il se retrouve à ne pas être payé. Vous savez, toutes les primes que vous avez quand vous travaillez, vous. Ben, Zach, normalement, il en a aussi, à ce que j'ai cru comprendre. Ouais, sauf qu'il se fait... Sauf que voilà, il en a pas. Il se fait exploiter comme un malpropre et il se fait pas payer. C'est du grand n'importe quoi. Et si vous avez d'autres revendications, les vôtres par exemple, ben allez-y, n'hésitez pas. On veut plus de bière à la cantine. Quoi? Faire. Ta gueule. Ouais, il crache ton truc là. Ouais. Moi j'ai une revendication forte et puissante. N'enfermez pas vos anciens dans des EHPAD. Ouais, faut les euthanasier. Ouais.
On veut plus d'argent, obéisse. Je veux acheter ma nouvelle voiture. Je veux plus d'argent, obéisse. Je veux acheter ma nouvelle voiture. Pardon. Voilà, non mais c'est important. Il faut créer des slogans. Payez Zach. Payez Zach. Payez Zach. Ouais, attends. Bon, va falloir que t'ailles au Daily Globe, hein, du coup. Avec le chat du bois, là, on va l'allumer. Oh! Ah, tu vois, mais moi, je veux ça. Tu vois. Ben. Eh, super, on fait une manifestation à 5, vraiment. Ben, j'ai dit que les gens nous rejoignent au Daily. À 7, je vais pas compter. Les gens vont nous rejoindre. Il y a plein de temps, ils viennent. Il y a le Metz, il y a Mena, il y a Charlie. Oh, incroyable. Il y a Lulu. Ah non, ça, c'est autre chose. Il y a Charlie de Bon Atome qui vient. Voilà, mais il faut qu'on se retrouve au Daily Globe. Ouais. Eh ben, go, on est parti. Ouais, allez, ouais. Je monte avec toi. Moi, je peux attends, je prends ma torche avant. Attends, je dis... At first I was afraid, I was petrified. Prends ta torche, c'est marrant en voiture. J'ai essayé. C'est qu'on a plus de... On a plus de volant. C'est qu'on a plus de feu. C'est marrant en voiture. Direction Daily Club. Il allait traîner carrément. Comment ça, je suis une prostituée, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, il parle de la traînée de la lumière, espèce d'abruti. Ah ouais, mais précise. Tu fais de la fumée avec ta lampe. Ah, ok, mais précise. Allez, Daily Club. Putain, j'ai l'impression d'être une voiture supersonique, on va plus vite. Non, c'est juste un effet. Hein. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Et là, c'est à gauche. Mec, je viens de bouffer ta cendre. Eh ben, il y a déjà du monde. Une allez, ouais, parfait. J'ai gagné. Mais putain, mais... Tout ça pour ça. Bébé. Mais arrête. Mais c'est Mina. Mais oui, mais... Je descends. Mais je vais vomir. Allez! Merde, il a ramené la torche de Colanta. Oui, et ta sentence est irrévocable. Attends, je vais contacter les gens que je peux. Dans ton cul! Your call has been. Oula, non, je veux pas le voir. Your call. Ouais, elle est un peu chaude pour que tu la prennes dans les bras. Pardon, je parlais d'Ato. D'accord, mais je peux participer. Ah bah si. Ah bah super, mais je peux regarder au moins. Ouais, ça va, on fait pas payer. Ah ça va. Si, tu fais payer le loyer. D'ailleurs, papy t'a payé. Hop, je prends ma torche. Tu vois pas de cette histoire, c'est quoi ça? Non, ma papy, j'ai envoyé le message automatique. J'aurais voulu profiter du GP demain, tranquillou, sans devoir courir après les gens. Eh oui, moi je suis pas là au GP demain. Je préfère les voitures aux motos. Il préfère rester à la maison et être sur la console. Exactement. Comme par hasard. Ah ouais, il y a une sortie, alors Un payot, je te crame. Une seule solution, la manifestation. Pardon. Eh, t'as voulu appeler Patterson, mais réponds pas. Bah, mais Patterson, excuse-moi, il est jamais là quand il faut, lui. Oui, c'est vrai. Non, faut avoir le chic dans son beau moment avec. Oui, bah c'est ça. Putain, par contre, on a tous l'air de belles lumières. C'est bon, j'ai payé. Mais c'est clair. Les flics qui passent, ils vont croire qu'on va foutre le feu. Ouah, bah c'est ce qu'on va faire. Papy, t'as pas un peu de drogue à vendre, comme ça les attire. Oh, doucement, papy, doucement. Il va se péter un muscle. Tu vas te faire mal, je suis contorsionniste. Oui,
Oui. Oh putain, l'idée elle est bonne. Attention, tu vas te prendre une amende pour destruction de biens publics. Ouais, je l'ai trouvé dans la déchetterie. Ok, ouais, mais les cops ils vont pas dire ça comme ça. Ouais, tu vas dire qu'on peut aller voir la déchetterie, ils ont ton plein les panneaux comme ça. Bon. Comment on peut attirer les. Bon, quand ils vont voir les torches, tu prends une photo de nous avec les torches, ils vont venir te voir. Attends, tu prends pas en otage, c'est... Eh ben... Du putain de téléphone qui s'éteint tout seul, bordel. Ouais, bien sûr. Oh, merde, ça. Ouais, ça va casser. Guina, j'ai payé. Sorti ouais, à l'archive. J'ai vu, c'est noté. Dieu. Oui. T'en fais pas. Y a quelqu'un qui veut t'acheter par rapport à l'annonce que j'ai mis. Non, ouais. C'est quoi ces annonces entre les personnes, les palettes? Oh putain, ouais, ça va loin vos conneries. Alors, moi c'est juste parti, je voulais m'amuser, rigoler, et puis ben, j'ai deux personnes qui m'ont contacté qui voulaient l'acheter. Une, c'est juste pour faire la vaisselle. Bientôt, ça va être quoi, la photo des pieds, là? Revendre sur... Oh putain, quelle bonne idée! J'en ai plein. Pourquoi tu leur donnes des conneries comme ça en tête, putain? Je suis un peu malade. Ils vont le faire, tu sais, ils vont le faire. Je prends en otage, monte tes pieds, hop, c'est bon, casse-toi. D'ailleurs, je vais regarder s'il y a une personne qui a reçu des matchs là sur TAN. Non, pas encore. Ah, personne. Ah, dommage, hein. Ça va venir. T'es sur Tinder, toi, Mima? Ouais, quand avec mon ex-mari, ça s'est fini, ouais, mais j'y suis plus parce que je suis avec Wander. Attends, depuis quand? Mais ça fait longtemps, hein. Ah bah je suis pas au courant, moi. D'ailleurs, Wander... Tu es au courant depuis... Ouais, déjà... Wander, hier, je l'appelle, il dit, ouais, t'inquiète, je t'envoie un message de la soirée. Il m'a pas envoyé un message, il oublie. Pourquoi il est peut-être occupé par rapport à son taf, hein? Moi, j'étais au courant avant. Oui, un taf qui a actuellement un haut rouge et un bas noir, ouais. Toi, je vais t'augmenter ton prix du loyer. Ouais. Vas-y, s'il te plaît, tu vis dedans, sinon c'est moi qui... Ah non, problème, après, c'est... Moi, c'est... De toute façon, c'est à un moment, c'est elle qui va payer. Non. Après, vous démerdez, hein. Tant que c'est pas tête de relance, moi, ça m'arrange, hein. Le tabac, c'est tabou. Non, c'est pas le bon. Non. Alors, qui c'est que j'ai pas encore... Qui c'est que j'ai pas encore appelé? Le Bilbert, il vient de mourir. Appelle les cops, dis-leur de venir. Dis-leur qu'il y a une manifestation qui est en cours. Allô? Manifestation, on va... Oui, bonjour, je suis désolé de vous déranger, je vous appelais parce qu'on aurait besoin d'aide un peu. Oui, dites-moi. En fait, il y a notre ami Zach, le journaliste. Il travaille comme un acharné depuis 2 semaines et il se fait pas payer par son patron. Donc là, on va manifester devant le Daily Globe pour faire entendre nos voix. Il y en a besoin d'un peu de monde, si ça vous intéresse. Oui, moi j'arrive. Et c'est à 21h30, mais vous pouvez venir, il y a déjà un peu de monde. Bon, c'est devant le gouvernement? Non, le Daily Globe. Daily Globe, ok. Moi j'arrive. Ça dans 5 minutes. Allez, pas de soucis. A tout de suite. Appelez tous vos contacts. Ouais, pas de soucis, j'appelle ça, ouais. Ouais. Une seule solution, la manifestation. Après, si vous vous suivez les uns les autres, ça fait carrément, on va dire, merde, comment ça s'appelle? Un anneau de feu, non? Ouais. Enfin, t'as qu'à... Voilà. Tais-toi, l'anneau de feu, quoi, hein? Je... Attends, c'est rien, t'as pas été vérifié? Non, je préfère pas. Ouais, tu risques de, franchement de faire un tour de rein. Bon, j'ai appelé le Bilbar et il compte venir. Ouais. Et je pense qu'il va venir vers 21h30, oui, les gens. Oui. Dis à Maury de venir. Duke. Oui. Je t'appréciais bien, c'est un moment. Mais bien sûr, mais tu peux, viens. Mais oui, il faut que tout le monde vienne. Mais oui, viens, bien sûr, viens, il va y avoir, de toute façon, s'ils veulent pas, on casse des trucs. Ouais, les voitures. Vas-y.
La dépanneuse, c'est très bien, tu vas pouvoir embarquer des voitures. Vas-y, vas-y. C'est moi qui le fais. Mais si, ça va pour être. T'inquiète, t'inquiète, on va venir tout de suite. Mais oui. Alors, le slogan de base, c'est payer Zach. Payer Zach. Payer Zach. Payer Jacques. Payer Jacques. Payer Jacques. Ouais, non, toi, t'es déjà payé, c'est bon. Ah, mais y'a pas de soucis, on criera ensemble. Ouais, je ferai avec le cœur, mais pas avec la voix. Ouais, y'a pas de soucis. Je l'ai un peu retrouvé, donc je vais essayer un peu de la garder. Ouais, ouais, bah t'as raison. Tonton. Oui. Bonsoir, c'est qui c'est qui Jacques? Non, Zach. Ah, c'est lui, Zach. D'accord. Jacques. Je cherchais un. GP ou pas? Jacques. De quoi? T'as beaucoup d'inscrits à l'événement de demain ou pas? Bah, c'est pas demain, c'est très, vendredi. C'est très shonen, ça. Bah, demain, ouais, c'est vendredi. Ça. Hein. Ça. Eh, pour une fois, je me trompe pas dans les jours. Oh putain, hein, je suis fatigué. Mais ouais, on est, j'ai que 5 participants là. Bah, bah rajoute-moi, va. Bah. Mais t'inquiète, les gens, comme je t'ai dit, vont s'inscrire demain. Aussi, au dernier moment. Bah, techniquement, bah, aujourd'hui, sinon, c'est le dernier moment. Je vais sûrement m'inscrire aussi, mais je ne sais pas encore si je serai là. Mais c'est quand même con ce que tu viens de dire. T'as dit que t'allais t'inscrire, mais que tu savais pas si t'étais là. T'inscris pas du coup. Demain, si t'es là, non, mais j'allais sûrement m'inscrire, mais demain. Ah. Mais voilà, ok, je comprends. Bon, du coup, c'est à laquelle bulle cette manifestation? Parce que tu m'as quand même empêché de faire un putain de braquage de supérette pour une manifestation, alors dis-moi tout. Il faut faire entendre nos voix. Zach, ça fait 2 semaines qu'il se fait pas payer et il a enfin, est-ce que toi t'aimerais travailler comme un acharné comme il le fait? Surtout qu'il travaille comme ouais, ouais, bien sûr. Il fait des journaux de fous, hein. Ouais, bah ouais, je comprends. Mais moi j'ai essayé de lui offrir un scoop il y a quelques jours. Ouais, mais franchement, je te l'ai fait, hein. Non, mais si, c'est pas que non. Non mais nous on lui donne du travail, ça c'est pas le souci. Il travaille mais... bien, c'est juste qu'il est pas payé quoi. Il est pas payé pour son travail. Voilà. D'abord de travailler gratuitement. Bah vous êtes pris, va commencer à falloir faire la manif. Toi tu reçois des primes. Bah moi non, j'en reçois pas du tout. Alors non, moi j'en reçois pas parce que je suis patron. Moi je donne des primes mais j'en prends pas. Oui, tes employés reçoivent des primes, bah moi je reçois rien. Du tout. De quoi? J'ai fait des coms. Ouais, tu devrais remettre tes chaussures. Non. Ben, je crois que ça sent mauvais, mais on a l'impression que... Oh là là, mais vous êtes... C'était ça, cette odeur. J'ai pas les mêmes... La prochaine fois que tu me parles comme ça, je te pète les... Non, pardon, désolé. On est là pour toi, c'est le plus important. Oh, ça va, je te taquine. Il fait trop un autre jour, t'inquiète. Ah, mais faux. Il travaille pour rien. Ben si, il travaille pour quelque chose. Ouais, j'ai le salaire, tu sais, tous les X temps, mais bon, ça va pas me servir. Ben non. Mais moi aussi j'ai un peu de salaire. À chaque fois que je vais me remplir l'estomac, ben c'est bon, il est foutu le truc. Ouais, ouais. C'est dommage. Patron à la con. À mort le patronat. Vive la révolution. Hold El Paso. Non mais par contre, c'est quand même... Non, attendez, c'est inadmissible ce qui vient de se passer. Quoi? J'appelle la police, je me fais passer pour un petit citoyen, je dis « venez vite, il y a des gens, ils vont tout casser, il faut une manifestation, tout ça ». Le flic, il rigole au téléphone, il dit « je peux pas être partout en même temps ». C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Devant le Comico, là, on va manifester, on va leur dire « on veut des vrais cops ». Bah on peut faire ça, hein, parce que le Daily Globe c'est bien, mais... Mais personne ne va nous attendre sur ici. Ben c'est ça, il faut bouger, il faut casser des trucs. Faut bouger, hein, faut aller défausser la gueule à des gens. Ouais, s'ils attendent autant de gens qu'ils arrivent. Ouais, allez, cassons des trucs. Merde. Non, pas la gueule à Mina. Je vais te casser ta gueule, toi. Salut Bobby. On va attendre que les gens arrivent. Si la police ne vient pas, on fait un convoi et on bloque la route. Oui, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, les enfants. On va aller au niveau du commissariat et on va et on bloquer les accès à leur poste, à la con. C'est ça, allez hop. Personne ne rentre, personne ne sort. À la guerre comme à la guerre. Exactement. Papy, tu montes avec moi, on va voler un gros véhicule. Allez. On y va, Badi. Alors attendez les enfants. Ouais. Les enfants. Merci. On va communiquer par... Non, ça va être trop long. Ouais. J'allais dire, on va communiquer par radio, mais ça va être trop long. Papier. Je disais, on pourrait communiquer par radio tout le cortège, mais ça va être trop long. Ouais, c'est clair. Aïe, mais voilà, il y a déjà un véhicule qui est là, putain. Vas-y, vole-le.
Nous, c'est bon, on a déjà un gros camion. Bonjour, monsieur. Je vous confisque ça, c'est pour moi. On va directement au poste là-bas. Ouais, on bloque la rue. Mais attends, il faut un deuxième camion. Un camion, Ben. Maddy et Charlie, vous êtes ensemble? Ouais, on est ensemble. Ouais. Ok, bah trouvez un camion Ben comme nous on a trouvé. Ok, on fait ça. Monte avec moi. Allez. On va leur montrer de quoi, quel point se chauffe. Ils nous prennent pas au sérieux. On va bloquer la rue au Comico, ce sera mieux. Ils nous prennent pas au sérieux, ces connards. Eh ben, ils vont commencer à nous prendre au sérieux. On arrive. Là, il y a un camion bloqué. Attention, oui. Papy, viens bloquer la rue de Deliglobe. Deliglobe, go. Qui va dire bloque? On laisse personne se faire embarquer. Vas-y, va à côté de Bobby là-bas. Et là, ça freine pas. Rien à foutre! Allez, viens ici là! Encore! Moi je vous dis, on va tout casser! Non, on va tout péter! 59? Non, c'est pas 59. Non, c'est pas 59, c'est 27. Alors, on pourrait la foutre dans ce. Il a la même gueule que 59. Ouais. Bah, on a un peu plus joli. Mais comment ça se fait que les cops ils payent? C'est pas moi qui fais la manifestation. Bon, du coup, manifestation pour le Daily Club, ils viennent pas assez, c'est ça? Ça fait deux semaines, ils ont pas payé alors qu'ils travaillent comme un acharné. Après, manifestation. Pourquoi vous allez pas manifester devant le gouvernement? C'est eux qui payent le Daily Club, non? Parce que le Daily Club, c'est privé, c'est pas public. Bah, alors c'est vous qui vous payez pas assez. Mais non, c'est pas vous qui me payez pas, tout court. Ah mais... Et lui c'est juste un employé. C'est pas le patron. C'est qui le patron? Mais il est pas là le patron. Voilà. Ah ben voyez avec le gouvernement pour le faire fichier et prendre sa place. Enfin, pourquoi la manifestation? Pour faire accélérer les choses. C'est pas l'âme d'un patron. Parce qu'on a d'autres... Parce qu'il y a plein de revendications dans cette ville. Cette ville. Oui. La tribu a voté. La sentence est irrévocable. Ah merde, je vais être pendu. Ouais, haut et court sur la place publique. Comme à l'ancienne. Une seule solution, la manifestation. Ah. Ouais. C'est quoi ton numéro de matricule? 66. Oh, c'est 66, tu seras décapité à l'aube. Je suis pas trop pour. J'ai le droit de vote. Ouais, mais t'es en minorité. Tu dis ça pourquoi? Par rapport à ma couleur? Oula. Non, du tout. À tous ceux qui ont voté, j'ai une torche en main. Et ouais, on est 5 contre 1. Et un panneau stop. En effet, 5 contre 1. Et merde. Voilà, tu seras pendu. Oh, et con. La vache. Pendu ou décapité, faut savoir. Les deux. En fait, on te pend et on te décapite après. C'est ça. Et tu veux le pendre par où? Ok, je vais voir. On commence par décapiter et après... Par le cul. On le pend par les couilles. C'est Mais ça. Du coup, pour la manifestation, pour faire accélérer les choses, ok? Mais... En fait, ton côté démarré d'ici et partir au gouvernement. Ouais, si, si. On va tout brûler. Allô, oui. Gouvernement. On va retirer. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On bloque les rues du gouvernement. C'est parti. On va pas du tout bloquer les rues du gouvernement. On va bloquer ceux de la police. Rien à foutre. Fais attention, ça freine pas. Ouais, bah, c'est beau. Ceinture. Attendez, faut faire un convoi. Non! Papy! Convoi! Il te voit pas dans ton petit truc derrière. Suivez la torche! Suivez la torche!
Non ! Ils sont pas volés. Ils sont empruntés de façon indéterminée. Les éboueurs nous les ont prêtés pour nous soutenir. Bobby, viens avec moi. Moi, j'ai vu un camion de près. Hein. Viens avec moi. Bah où ? Fais bloquer les rues de la police, rien à foutre. Mais non, c'est le gouvernement qu'il faut bloquer. Non, c'est le gouvernement. Ils sont avec nous. Ok, bien. Il fait demi-tour. Mais moi, je suis pas avec la police. Mais arrête, on va se rembarquer. Donc vas-y, viens. Oh bah j'arrive. Faut pas se séparer dans ce genre de situation parce que... Vas-y, bloque plus loin, là, près de l'EMS, là. Bloque la rue de l'autre côté. Vas-y, bloque. Putain, mais ils bloquent avec nous, avec les barrières, c'est con. Et ils nous soutiennent. Eh bah c'est bien. On va se faire sortir Peterson de son lit. Moi j'ai une torche. Ouais, c'est vrai, je peux prendre feu plus vite que ce que je t'ai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ah oui, d'accord, il met carrément des barrières, le coq. Oh bah super. On vous dit, on vous aide. Ah oui. Par contre, le gouverneur il est là? Non. Patterson! Vendu! Mais con, non, c'est pas ça. Là, hein. On peut brûler. On peut tout brûler. Allez, c'est parti, on va mettre le faux gouvernement. Non, si vous brûlez, par contre, là on est obligé d'intervenir, ne brûlez pas. Mais c'est les pompiers qui interviennent. Voilà, c'est les pompiers, vous n'avez pas la fuite. On est obligé de vous arrêter. Ah, tu donnes un cousin à Monsieur Pied. C'est pas de ma faute. C'est la flamme qui s'est jetée sur le gouvernement. C'est pas de ma faute. Oui. Et moi, c'est mon taser qui se jettera sur vous. Bah, peut-être. Oh, bah, si c'est sur lui, c'est qu'un détail. Hein, ouais, sur tout le monde. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut Exactement. Dire que je suis libre de brûler cette putain de vide. Pardon, désolé. On y va. Un peu violent. Déjà, elle est où ta torche? Ah oui, attends, elle doit être dans le camion de poubelle. Ah voilà, bah oui.